C'est bon? T'as fini ton petit déj? Oui. On y va alors. Je ne veux pas que tu arrives en retard. C'est bon, mamie, je commence à 9h. C'est dans une heure. Vaut mieux partir maintenant. Attends, mamie, il faut que je te montre un truc. Voilà, ça y est. Viens, assieds-toi. C'est quoi? J'ai fini le montage ce matin. Bonjour, maman. Mes enfants et moi, on t'envoie le bonjour. On t'aime très, très fort. On souhaiterait que notre petit garçon qui est avec toi soit chaleureux avec toi. Là, je te laisse mon fils. Très gentil, adorable. Maman, voilà, je te présente mon mari. Il a 9 mois. Je souhaite que tu auras l'occasion de le voir. Maman, je te fais de très très gros bisous, on t'aime très 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 fort. Allô? Bonjour maman. Oui, je vais bien. Vous me manquez aussi. Nari, comment on fait pour recommencer? J'arrive, mamie. J'ai hâte aussi des vacances. Mamie. Ah. Il est quelle heure? J'ai le temps de regarder encore? C'est bon, on a le temps. Transpire. Je suis venu en courant.
de Marina jusqu'ici. Oui, j'avais besoin d'évacuer cette frustration. Tu es frustré à cause de quoi? De ce soir. C'est pas vrai, Kaya. J'ai pas envie que tu ailles à cette soirée. Pourquoi tu viendrais pas dormir à la maison? Mes parents sortent ce soir. Et Tiffany va dormir chez Sarah. J'ai déjà dit oui. Alors laisse-moi venir avec toi. Je ne veux pas que tu viennes et tu sais très bien pourquoi. Je promets de rester calme et d'embêter personne. Non, Kaya, je sais comment tu es. Quand tu es avec moi, tu m'empêches de discuter avec les autres. Avec les mecs. Tu sais très bien que quand un mec discute avec une jolie fille, tout ce qu'il a en tête, c'est coucher avec. N'importe quoi. C'est vrai, Paye. Tu généralises, là. Je généralise pas. Ça veut dire que quand toi, tu discutes avec une jolie fille, t'as envie de coucher avec elle. Non. Bien sûr, toi, tu es une exception, un cas à part. Je veux juste te faire comprendre qu'une fille en couple ne devrait pas sortir sans son copain. Quand une belle fille sort en boîte sans son mec, il y a tous les autres gars qui lui tournent autour. C'est pour ça après que certains se séparent. Parce que mademoiselle a rencontré un gars mieux que celui avec qui elle est. Tu sais quoi? J'appelle Sigli. Pour? Pour lui dire que je ne vais plus à cette soirée. Ne lui dis pas que tu vas plus à cette soirée. Dis-lui que je viens avec toi. Je rêve ou tu fais exprès? Je viens de te dire que j'y vais plus. J'ai pas envie de prendre le risque d'être humiliée devant tout le monde. Ah, c'est ce que je voulais. Ah. Toi, elle est où Hinata? J'en sais rien. Tu vas bien? T'es pas innocent. Tu sais très bien pourquoi je veux la voir. Quoi? Ouais, vous avez fait quoi dimanche matin? Je vois pas de quoi tu parles. Bon, arrête ton cinéma. Mes voisins vous ont vu. Tes voisins? Quoi? Tu sais pas ce que c'est? Ah non, vous n'avez pas vérifié. Ah ouais? Ils sont sûrs que c'est nous? T'inquiète, tu passes pas inaperçu. Mais bon, je sais que l'idée vient de l'auteur idiot. Et tu comptes faire quoi? Mes parents m'en sont chargés. Je voulais juste la prévenir. De quoi? Que si elle ne me rend pas mes affaires, elle verra mes parents débarquer chez elle. Et puis, c'est pas comme si mon linge allait t'aller. Bande de voleurs. C'est pas possible, il ne peut qu'être là. Il est tout le temps fourré à la pointe. Tu l'as appelé au moins sur son téléphone? Il est tout le temps sur répondeur. Ben quand tu le verras, jette-le à la poubelle. Attends, je crois que c'est lui qui est là-bas. Bonjour, Waro. On peut parler? Il dit je te parle. Fais pas un peu comme si j'existais pas. Qu'est-ce que je t'ai dit hier? Tu me quittes juste à cause d'une pipette. Parce que si c'est ça, c'est vraiment ridicule. Hamoui! Emia, comment tu lui parles? De quoi tu te mêles? C'est ma meilleure amie. Et je n'accepte pas qu'on parle comme ça à ma meilleure amie. T'es différent. T'es plus le même. Je trouve que tu as beaucoup changé. Allez, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas qu'on aille là-bas pour en parler? Écoute, toi et moi, c'est fini. C'est fini. Comme ça, sans raison. Oui, copine, sans raison. Maintenant, dégagez. Sarah, viens, on y va. Je veux maman. Hey, yo! C'est maman et je veux la récupérer. Tu vas la casser. Tu vas la casser. Laisse tomber. Sarah, laisse tomber. C'est moi qui te l'ai offert. Ok, tu veux pas me la rendre? Sarah, laisse tomber. Je prends ta casquette. Hé, hey, Sarah! Attends, il faut que je te montre un truc.
un agenda. J'aurais pu t'offrir un bijou ou une babiole, quelque chose d'ordinaire. Mais j'ai préféré t'offrir ça. En fait, je l'ai acheté pour nous deux. J'aimerais qu'à l'intérieur, on écrive des trucs. Genre ce qu'on fait de nos journées, ce qu'on pense. Par exemple, si je pense à toi, j'écris dedans. Oui, mais si je pense à toi tout le temps? Alors il faudra que j'en rachète un autre. Aujourd'hui, tu le prends avec toi. Comme ça, tu pourras commencer à écrire. Et tu en profiteras pour lire ce que je t'ai écrit. Tu cherches quoi? Ben le truc que tu m'as écrit. C'est quelle page? Non, pas maintenant. Tu le liras chez toi ce soir. Je veux le lire maintenant. Non, ce soir. Ok alors, j'ai hâte. Théa m'a dit qu'il serait là avec des copains. Mais Sigline, tu m'as dit que c'était une soirée entre filles. Ouais, ben je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, apparemment il y aura des garçons. T'as bien vu comment on s'est pris la tête avec Kaya. Et s'il a pensé? Franchement, Moeveil, tu psychotes grave. Kaya est un solitaire. Son seul ami, c'est Pierre. Comment veux-tu qu'il apprenne ça? T'as raison. Attends là, ne me dis pas que tu vas lui dire. Oh, vous deux, je ne vous comprendrai jamais. Bon, on y va. Mais on ne rentre pas trop tard. Si tu veux. Ça va? Tu t'amuses bien?